Je dis toujours la vérité. Pas toute. Parce que toute la dire, on n'y arrive pas. La dire toute, c'est impossible matériellement, sans les mots qui y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité touche au réel. Ici, on est à la télé. Il n'y a pas de différence entre la télévision et le public devant lequel je parle depuis longtemps, ce qu'on appelle mon séminaire. Vraiment pas de différence? Dans les deux cas, il s'agit d'un regard. Un regard à qui je ne m'adresse dans aucun des deux cas. Mais au nom de quoi ce regard, au nom de quoi je parle, qu'on ne croit pas pour autant que je parle à la cantonade, c'est le cas de le dire. Je parle à ceux qui s'y connaissent, aux non-idiots, analystes que je suppose être dans mon assistance. L'expérience prouve, même à s'en tenir au fait de l'attroupement, car c'est ça mon séminaire un peu, l'expérience prouve que ce que je intéresse beaucoup plus de gens que ceux que, avec quelques raisons, j'y suppose, analystes. Pourquoi dès lors parlerais-je ici d'un autre ton qu'à mon séminaire? L'inconscient, quel drôle de mot. Oui, je suis d'accord. Hein? Enfin, Freud n'en a pas trouvé de meilleur. Maintenant, c'est fait, il n'y a pas à y revenir. Ce mot a l'inconvénient d'être négatif. Ce qui permet, et on ne s'en prive pas, d'y supposer n'importe quoi au monde sans compter le reste. Hein. Je n'approuve pas. Mais enfin, tout de même, à chose jusque-là inaperçue, le nom de partout convient aussi bien que celui de nulle part. C'est pourtant chose fort précise. Approchons. Il n'y a d'inconscient, faut poser ça, que chez l'être parlant, chez les autres. Aux animaux, hein, qui n'ont d'être à proprement parler, hein, d'être qu'est-ce qu'ils soient nommés. Je ne dis pas qu'ils ne s'imposent pas du réel, mais chez les autres, il y a de l'instinct, par exemple. Soit le savoir qu'implique, semble-t-il, leur survie. C'est ça l'instinct. Hein?
Encore, après tout, peut-on dire que ce n'est là que pour notre pensée, qui peut-être a appelé ça instinct, est inadéquate. Restent les animaux en mal d'homme. Qu'on dit pour ça domestique. Eh bien, cela est pour cette raison, très probablement, cela. Des séismes les parcourent. Au reste, courent. Qui sont rapportables à l'inconscient. Approche. L'inconscient, ça parle. Ce qu'il fait dépendre du langage. Je vous interromps. Vous dites que l'animal, parce qu'il ne parle pas, n'a pas d'inconscient. Descartes lui disait que l'animal n'avait pas d'âme. Ça tendrait à prouver que l'inconscient, ça n'est qu'une hypothèse, une supposition. L'âme, c'est une supposition aussi. Supposition de la somme, ça n'est pas rien qu'on puisse faire la somme, qu'on le suppose en tout cas, de la somme des fonctions du corps. En quoi c'est une supposition bien plus problématique que celle de l'inconscient. Néanmoins, supposons-la. Parce qu'après tout, c'est raisonnable de la supposer. Ça, c'est toujours supposé de la même voie. D'Aristote, vous nommez von Uxcule. Retenez ce nom si vous n'en avez jamais entendu parler. Et puis que c'est encore ce que suppose, qu'ils veuillent ou pas, les biologistes, les physiologistes. Donc l'âme est là, bien. Alors, je dis que le sujet de l'inconscient ne touche à l'âme que par le corps. Et ce qui est plus raide, d'y introduire, je dis par le corps, la pensée. En quoi cette fois, je contredis Aristote. L'homme ne pense pas avec son âme, comme il l'imagine, là, le philosophe, hein, comme il l'imagine. Il n'y a qu'à le lire pour s'en apercevoir. L'homme pense de ce qu'une structure découpe son corps. Et en rondelles, qui n'ont rien à faire avec l'anatomie. Témoin, l'hystérique. Je pense que tout de même, ça dit quelque chose à quelques-uns. Cette cisaille, certes, vient aussi à l'âme. Mais c'est en manière de conséquence. Ça vient à l'âme avec ce dont j'espère que quand même quelques-uns ont quelque idée, à savoir
le symptôme obsessionnel. Ça, c'est... C'est quand même là qu'on voit bien la différence entre la pensée et l'âme, parce que l'âme de cette pensée, on ne peut pas dire qu'elle n'en soit pas embarrassée, enfin, n'est-ce pas, comme un poisson d'une pomme. Hein. On ne peut pas dire qu'elle sache qu'en faire. D'où il résulte, ce qui est stupéfiant, enfin, qu'il ait fallu attendre pour le dire, ce que tout le monde sait, en somme, déjà, n'est-ce pas? La pensée est disharmonique quant à l'âme. Et le fameux nous des Grecs, peut-être là quand même des professeurs qui m'entendent, le nous grec est le mythe d'une complaisance de la pensée à l'âme. C'est bien ce qui se voit dans la théorie de la théoria de Aristote, n'est-ce pas? D'une complaisance qui serait conforme au monde. Au monde umwelt. Pour s'exprimer comme le phonuxcule dont je vous parlais tout à l'heure, au monde dont l'âme est tenue, dans une certaine supposition de l'âme, dont l'âme est tenue pour être le reflet. Alors que ce monde, je le dis, n'est que le fantasme qui se soutient d'un certain type de pensée. Bien sûr que c'est une réalité. Mais dont... Il n'y a pas de raison de lui donner un tel privilège à ce mot « réalité » qui, d'ailleurs, lui-même présente une certaine ondulation. Un tel privilège que nous ne puissions pas le considérer comme une grimace du réel. Mais quand on vient vous trouver, vous, psychanalyste, c'est pour aller mieux, et dans ce monde que vous réduisez allègrement au fantasme. La guérison, vous considérez que c'est un fantasme aussi? La guérison, c'est une demande qui part de la voix du souffrant, d'un qui souffre de son corps ou de sa pensée. L'étonnant est qu'il y ait réponse. Et que cette réponse de tout temps dans la médecine ancienne tout au moins, qui de tout temps dans la médecine est fait mouche par des mots. Comment était-ce avant que fût repéré l'inconscient? Ben, c'était pareil. La médecine faisait mouche. Dans une grande part de son champ, avec des mots, ce qui prouve qu'une pratique n'a pas besoin d'être éclairée pour opérer. Soit, mais qu'est-ce qui fait alors précisément la différence de la psychanalyse et de la psychothérapie qui toutes deux agissent par des mots? C'est en effet une question à laquelle il faut répondre.
Il faut partir du fait de l'inconscient. Dans la mesure où l'inconscient y est intéressé, l'inconscient tel que je le formule, il y a deux versants que nous livre la structure. La structure, c'est le langage. Faites bien attention ici, parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le versant du sens, premier versant, c'est celui dont on croirait c'est le versant de l'analyse. L'analyse qui nous déverse du sens à flot pour le bateau sexuel. Oui, il y a un ennui. C'est que ce qui frappe, c'est... Et Dieu sait si Freud y a insisté... C'est que ce sens réduise au non-sens. Au non-sens du rapport sexuel. Lequel est épatant. Et toujours. Dans rien d'autre que les dits. De l'amour. Tout ce qui se dit là, on ne sait jamais si c'est pas du déconnage. C'en est pas tant au point d'en être hurlant. C'est ce qui donne une haute idée de l'humaine pensée. En plus, il y a du sens qui se fait prendre pour le bon sens. Et par-dessus le marché, pour le sens commun, c'est le sommet du comique. À ceci près, tout de même que le comique ne va pas. Sans le savoir sensible. Sensible dans ce qu'il énonce. Le savoir du non-rapport qui est dans le coup du sexe. C'est là que notre dignité prend son relais. Voir sa relève. Le bon sens représente ce qui opère dans la suggestion. La comédie représente le rire. Est-ce à dire qu'il suffise outre qu'il soit peu compatible. C'est là que la psychothérapie, quelle qu'elle soit, tourne court. Non qu'elle n'exerce pas quelque bien, mais temporaire, et qui ramène au pire. L'inconscient. Soit quoi
l'insistance dont se manifeste le désir. Ce qui veut dire la répétition de ce que s'y demande, de ce qui s'y demande. Conscient nous rappelle qu'au versant du sens, conclure, l'étude du langage oppose le versant du signe. Comment ? Mais le symptôme, ce qu'on appelle tel dans l'analyse, n'a-t-il pas là tracé la voie ? Comment a-t-il fallu Freud pour que simplement d'être docile à l'hystérique, il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voire les mots d'esprit, comme on déchiffre un message chiffré. Ce que vous venez de dire. Lire les rêves, les lapsus et les mots d'esprit comme on déchiffre un message chiffré. C'est Freud qui dit ça ou Lacan ? Allez. Allez au texte de Freud réparti dans trois livres qui s'appellent La science des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne et ce qu'on a traduit le mot d'esprit, le Witz. Vous y lirez. Qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrage de dimensions signifiantes pures. À savoir qu'on commence toujours, parce que le fait d'un de ces phénomènes, je parle des rêves, des lapsus, des mots d'esprit, naïvement articulé. Articulé, ça veut simplement dire verbalisé. Naïvement verbalisé selon la logique vulgaire, l'emploi de la langue reçue. Et puis après, c'est à progresser dans un tissu d'équivoques, de métaphores, de métonymies, que Freud évoque une substance, un mythe fluidique qu'il intitule la libido. Mais ce qu'il opère réellement là, sous nos yeux fixés au texte, c'est une traduction dont se démontre que la jouissance que Freud suppose au terme de processus primaire, c'est dans les défilés logiques où il nous mène avec tant d'art qu'elle consiste. C'est ce qui permet à Freud en partant de « je ne l'aime pas ». Et en lui donnant tout un jeu grammatical. C'est pas moi qui l'aime. C'est pas moi qui l'aime. Ou bien « je l'aime pas lui, je l'aime elle ». Ou bien c'est pas lui qui m'aime, ou bien c'est elle qui m'aime. Ajoutez l'inversion d'aimer en haïr. Ben c'est par là que passe Freud pour toute une répercussion qui va très loin dans la série que je viens de nommer Névrose, perversion ou psychose. Pour répéter,
dimension signifiant, défilé logique, jeu grammatical, n'est-ce pas enfin éliminer de la découverte de Freud la sexualité, tout simplement? Ce que Freud découvre dans l'inconscient n'est tout à l'heure pu qu'inviter à ce qu'on aille le voir dans ses écrits, si je dis juste. C'est bien autre chose que de s'apercevoir qu'en gros, on peut donner un sens sexuel à tout ce qu'on sait, parce que ça s'est fait depuis toujours. C'est même là-dessus que le mot « connaître » prête à la métaphore bien connue. Et c'est ce que Jung a cru que Freud annonçait. C'est une erreur. C'est le réel qui permet de dénouer effectivement ce dont le symptôme consiste, à savoir un nœud de signifiant. Nouer et dénouer n'étant pas ici des métaphores, mais bien apprendre comme ces nœuds qui se construisent réellement à faire chaîne de la matière signifiante. Car ces chaînes n'ont pas de sens, mais du jouissance à écrire comme vous voulez, conformément à l'équivoque qui fait la loi du signifiant. Je pense avoir donné une autre portée que ce qui traîne de confusion courante au recours qualifié qu'est la psychanalyse. Voilà. Il y a aujourd'hui une rumeur qui dit la chose suivante. Si on jouit si mal, c'est qu'il y a répression sur le sexe. Et on ajoute, c'est la faute, premièrement à la famille, deuxièmement à la société, et particulièrement au capitalisme. Ça, c'est une question... Suis-je laissé dire, parce que, aux questions, j'en parle. Une question qui pourrait s'entendre de votre désir de savoir comment y répondre vous-même à l'occasion. Soit si elle vous était posée par une voix plutôt que par une personne. Une voix ne se concevoir que comme provenant de la télé. Une voix qui n'existe pas, ce ne rien dire. La voix pourtant, au nom de quoi, moi, je fais exister cette réponse qui est interprétation. À le dire crûment, vous savez que j'ai réponse à tout. Moyennant quoi, vous me prêtez la question. Vous vous fiez au proverbe qu'on ne prête qu'aux riches. Avec raison. Qui ne sait ? C'est du discours analytique que j'ai fait fortune. En quoi je suis un self-made man. Il y en a eu d'autres, mais pas de nos jours. Bon, écoutez, s'il y a refoulement, c'est qu'il y a répression. Bon, Freud n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit que le refoulement provenait de la répression. La censure, c'est pas du tout ça, c'est autre chose. Il n'a pas dit que, prenons ça pour faire image, n'est-ce pas, que la castration, ce soit dû à papa qui brandisse à son moutard, qui se tripote. On te la coupera, sûr, si tu remets ça. C'est pourtant naturel que ça lui soit venu à la pensée, à Freud. Mais il n'a fait qu'en partir pour l'expérience à entendre de ce qu'il a défini dans le discours analytique. Je dirais même qu'à mesure qu'il y avançait, il penchait plus vers l'idée que le refoulement était premier.
C'est dans l'ensemble la bascule heureuse, celle-là de la seconde topique. La gourmandise dont il dénote le surmoi est structurale. Non pas effet de la civilisation, mais malaise, symptôme dans la civilisation. De sorte qu'il y a lieu de revenir sur l'épreuve à partir de ce que ce soit le refoulement qui produise la répression. Si je comprends bien ce que vous dites, ça veut dire que la famille et la société elle-même sont pour vous des effets du refoulement. Ben oui. Pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas la famille et la société des effets acidifiés du refoulement? Pourquoi pas? La société et la famille, chez l'aide parlance, ça me paraît pas du tout frappant que ça ressemble aux autres sociétés, d'autres animaux. Ça se pourrait bien de ceci qui fait son spécifique à cette tête parlant que l'inconscient existe. Ce motif de la structure, soit du langage. Freud élimine si peu cette solution que, après tout, c'est pour en trancher qu'il s'acharne sur le cas de l'homme au loup. À qui ça ne réussit pas mieux pour ça. C'est un ratage du cas, mais en somme de peu auprès de sa réussite, celle d'établir le réel des faits. L'ennui, c'est que ce réel, ça ne s'établit pas d'un seul cas. Et même dans ce cas, ça reste énigmatique. Oui, évidemment, faudra la poser, la question. Savoir si, après tout, cette énigme, c'est pas au discours analytique lui-même comme institution qu'il faut l'attribuer. Ça peut se concevoir. On peut aussi penser que ça peut avoir un résultat qui aille plus loin. Car si ça en reste là, bien sûr, point d'autre cours que le projet de la science pour venir à bout de la sexualité. J'ai dit projet parce que, enfin, la sexologie, c'est un fait que ça reste strictement à l'état de projet. C'est pas parce que Freud y insiste. Après tout, il s'en remettait là, ce qui se conçoit. C'était tout de même une confiance des plus gratuites, même pour lui. Ce qui en dit beaucoup sur son éthique. Écoutez, c'est vraiment pas gai tout ce que vous dites là. Il y a quand même un certain nombre qui essaye d'en sortir. Oui. Effervescence. Ou pourquoi pas le discours analytique peut n'être pas pour rien. Oui. C'est pas ça qui lèvera ce que le discours analytique, enfin, de la même veine, atteste.
de ce que je peux bien appeler une malédiction. Et sur le sexe, Freud lui-même, quelque part dans le malaise de la civilisation, la pointe. Si j'ai parlé d'ennui, voire de morosité à propos de l'abord divin, de l'amour, comment méconnaître que ces deux affects se dénoncent et clairement en propos et en acte, c'est jeune qu'après tout, pourquoi pas, je vois pas d'inconvénient qui se voue à des rapports sans répression. Je trouve même que c'est fort, hein, que les analystes dont on sommet, ils se motivent, leur repose de bouche pincée. Oui, pour répondre. Est-ce que vous dites de la famille, même si les souvenirs de la répression familiale n'étaient pas vrais, faudrait les inventer. On n'y manque pas. C'est même ça le mythe, la tentative de donner forme épique ce qui s'opère de la structure. La passe sexuelle secrète les fictions qui rationalisent l'impossible qu'elle démontre. Je ne les dis pas imaginer. Les fictions dont il s'agit, j'y lis comme Freud. Je le souligne, l'invitation à trouver le réel qui en répond. L'ordre familial, en somme, ne fait que traduire quoi que le père n'est pas le géniteur. Et quoi encore, que la mère reste contaminée, la femme à jamais pour le petit homme. Le reste s'ensuit. C'est pas du tout que j'apprécie le goût de l'ordre, hein, qui y a chez ce petit. Est-ce que j'en entends des échos? Personnellement, c'est admirable. Personnellement, j'ai horreur de l'anarchie. Voilà ce qui jacte. Comme si le propre de l'ordre, là où il y en a le moindre, c'est qu'on n'a pas à le goûter, puisqu'il est établi. C'est arrivé déjà, ça, quelque part. Par bonheur, dirais-je, et cette heure, bon, tout juste à démontrer que ça y va mal, même pour l'ébauche d'une liberté. C'est le capitalisme mis en ordre. Et à partir de là, autant pour le sexe, puisqu'en effet, le capitalisme, ça, il faut le dire, c'est de là qu'il est parti, de le mettre au rancard. Je me demande d'où vous vient l'assurance de prophétiser, comme vous l'avez fait naguère, que le racisme a bien de l'avenir. Pourquoi diable dites-vous ça? Oui. Je le dis parce que ça me paraît pas drôle. Et pourtant, je n'en ai pas fait un grand état. J'ai terminé une année un séminaire là-dessus. C'est mieux de savoir, enfin, ce à quoi on peut s'attendre. Mm.
C'était comme ça, en guise d'adieu, que je l'ai dit à la fin d'un de mes séminaires. Histoire que les gens soient avertis. La seule chose qui serait intéressante, et justement que je n'ai pas du tout eu à ce moment à commenter, c'est en quoi ça me paraît non seulement prévisible, parce qu'il y en a toutes sortes de symptômes, mais nécessaire. C'est nécessaire du fait de ce que j'appelle, ou ce que j'essaie de faire sentir, de l'égarement de notre jouissance. Ce que je veux dire, n'est-ce pas, c'est que je souligne que il n'y a que l'autre absolu, n'est-ce pas, l'autre radical qui la situe, cette jouissance. Et qui la situe en tant que, justement, de l'accentuer comme étant l'autre, ça veut dire que l'autre côté du sexe, nous en sommes séparés, n'est-ce pas? Alors, à partir du moment où on se mêle comme ça, il y a des fantasmes tout à fait inédits qui seraient pas apparus autrement, n'est-ce pas? C'est une façon de dramatiser, si on peut dire, n'est-ce pas? Cet autre qui est là de toute façon, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de rapport sexuel, ben c'est que l'autre est d'une autre race, n'est-ce pas? Alors, si cet autre, on le laissait à son mode de jouissance, ben, la chose est déjà décidée, n'est-ce pas? On ne pourrait le faire que si depuis longtemps on ne l'avait pas imposé le nôtre. On pourrait le faire si les choses n'en étaient pas au point qu'il n'y a plus qu'à le tenir pour un sous-développé. Ce à quoi on ne manque pas, naturellement. Il s'ajoute à tout ça la précarité de notre mode à nous de jouissance. C'est ce que j'ai accentué, n'est-ce pas, de la position que j'appelle, que je désigne, de celle du plus de jouir. Ce plus de jouir, enfin, qui même s'énonce couramment, enfin, la plus-value, c'est ça. Alors sur cette base, sur la base de quelque chose qui quand même nous spécifie dans le rapport à la jouissance, spécifie ce que j'appelle notre mode, comment espérer que se poursuive cette humanitairerie, je dirais, cette humanitairerie de commande, qui après tout, faut bien le dire, nous a servi qu'à habiller nos exactions. Voilà. Si même Dieu a à reprendre de tout ça de la force, s'il finissait par exister, parce qu'après tout, c'est pas impensable. C'est pas impensable, mais ça ne présagerait rien de meilleur qu'un retour de son passé. D'un passé, en fin de compte, plutôt funeste. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez?
vous dites, l'inconscient, ça parle. Ça implique, si je vous comprends bien, qu'on l'écoute. Mais est-ce qu'on l'écoutait avant que Freud n'invente la psychanalyse? À mon sens, oui. Je vais jusque-là. Mais il n'implique sûrement pas, sans le discours dont il existe, sans la pratique analytique pour la nommer, il n'implique pas qu'on l'évalue, comme fait Freud quelque part. Fin du chapitre sur le travail du rêve, dans la Traumdeutung, qu'on l'évalue comme savoir, qui ne pense pas, ni ne calcule, ni ne juge. Je le cite. Ce qui ne l'empêche pas de travailler. Dans le rêve, et comment? Ça ne vous inspire rien? C'est le travailleur idéal. Celui dont Marx a fait nommément la fleur de l'économie capitaliste dans l'espoir de lui voir prendre le relais du discours du maître. Eh bien, c'est ce qui est arrivé. Bien que sous une forme, il faut bien le dire, inattendue. Il y a des surprises comme ça dans ces affaires de discours. C'est même là la surprise, le fait caractéristique de l'inconscient, comme un analyste l'a bien vu. Qu'est-ce que vous entendez par discours analytique? Le discours que je dis analytique, c'est le lien social déterminé par la pratique d'une analyse. Et il vaut, c'est là ce que j'apporte, il vaut d'être porté à la hauteur des plus fondamentaux parmi les liens qui restent pour nous en activité. Vous-même, vous êtes en dehors de ce qui fait lien social entre les analystes, puisque la Société internationale de psychanalyse vous a excommunié. Les analystes de la société qui se qualifient d'internationale, c'est un peu fictif. L'affaire s'étant longtemps réduite à être familiale. Moi, je l'ai connue encore aux mains de la descendance directe et adoptive de Freud. Mais laissons. Il y a d'autres choses à dire. Si j'osais, je préviens qu'ici je suis juge et parti, donc partisan. Si j'osais, je dirais que c'est actuellement une société d'assistance mutuelle contre le discours analytique. La SAMDKA. Comme ça que ça peut se dire. Hein. Sacré Samtka. C'est à cause d'elle que je parlerai jamais sous le titre des noms du père. Mais c'est une affaire personnelle. Ces analystes ne veulent donc rien savoir du discours qui les conditionne. Ça ne les en exclut pas pour autant. Puisqu'ils fonctionnent comme analystes. Ce qui veut dire strictement qu'il y a des gens qui s'analysent avec eux à ce discours, donc, ils satisfont, même si certains
les effets de ce discours sont par eux méconnus. Dans l'ensemble, la prudence ne leur manque pas. Et même si ce n'est pas la vraie, ça peut être la bonne. Au reste, c'est pour eux qu'il y a des risques. C'est très intéressant, ces histoires d'analystes. Mais les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, eux, c'est à la base, à la dure, qu'ils se coltinent toute la misère du monde. Et l'analyste pendant ce temps. Il est certain que scoltiner la misère, comme vous dites, c'est entrer dans le discours qui la conditionne, ne serait-ce qu'au titre d'y protester. Rien que dire ceci me donne position. Que certains situeront de réprouver la politique. J'affirme que c'est ce que, quant à moi, je tiens pour quiconque exclu. Mais revenons-y dans le fait. Les psychos, quels qu'ils soient, hein, qui s'emploient à votre supposé coltinage, n'ont pas à protester, mais à collaborer. Qu'ils le sachent ou pas, c'est ce qu'ils font. C'est bien commode. Me fais-je à moi-même rétorsion facilement. Bien commode cette idée de discours pour réduire le jugement à ce qu'il détermine. Ce qui me frappe, c'est qu'on ne trouve pas mieux que moi à m'en rétorquer. J'ai dit que c'était facile. On dit intellectualisme concernant ce que j'avance. Ça ne fait pas le poids. Quand il s'agit de savoir qui a raison. Ce d'autant moins qu'à rapporter cette misère au discours du capitaliste, ce que je fais aussi bien, je dénonce ce discours. J'indique seulement que je ne peux le faire sérieusement, parce qu'à le dénoncer, je le renforce. De le normer, soit de le perfectionner. Comment donc situer l'analyste à votre guise, qui ne collabore pas, mais ne proteste pas non plus? On ne saurait mieux le situer, objectivement, cet analyste, que ce qui dans le passé s'est appelé être un saint. Un saint, durant sa vie, n'impose pas le respect que lui vaut parfois une auréole. Personne ne le remarque quand il suit la voie de Balthazar Gracian, celle de ne pas faire d'éclat. D'où son traducteur, il y a peut-être des gens qui ont lu ça, Amelot de Lahousset a cru qu'il écrivait de l'homme de cour.
un saint, pour me faire comprendre, ne fait pas la charité. Plutôt se met-il à faire le déchet. Il décharite, quoi. Ce pour réaliser ce que la structure impose, à savoir permettre au sujet de l'inconscient, le prendre pour cause de son désir. C'est l'abjection de cette cause, en effet, que le sujet en question a chance de se repérer, au moins dans la structure. C'est la condition pour qu'il se repère aussi ailleurs, si l'inconscient est bien ce que je dis. Et supporter cette abjection pour le saint, c'est pas drôle. Hein? Mais j'imagine que pour quelques oreilles, au moins à cette télé, ça recoupe bien des étrangetés, ce que j'appellerais les faits de saint. L'effet de saint, que ça ait effet de jouissance, qui n'en a le sens avec le joui. Il n'y a que le saint qui reste sec, m'accache pour lui. C'est même ce qui épate le plus dans l'affaire. Épate ceux qui s'en approchent et ne s'y trompent pas, le saint est le rebut de la jouissance. Parfois, il a un petit relais. Il joue. Il ne s'en contente pas pour autant plus que tout le monde. Il n'opère plus pendant ce temps-là. Il n'y a que les petits malins qu'il guette alors pour en tirer des conséquences à se regonfler eux-mêmes. Mais le saint s'en fout. Autant que de ceux qui, dans ce relais, voient sa récompense, ce qui est à se tordre. Puisque de se foutre de la justice distributive, c'est de là que le plus souvent il est parti. À la vérité, le saint ne se croit pas de mérite, ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas de morale. Le seul ennui pour les autres, c'est qu'on ne voit pas où ça le conduit. Moi, je cogite. Je cogite éperdument pour qu'il y en ait de nouveaux comme ça. C'est sans doute de ne pas moi-même y atteindre. Plus on est de saints, plus on rit. C'est mon principe. Ça pourrait être la sortie du discours capitaliste. Mais ça ne constituera pas un progrès si ça ne se passe que pour certains. Il y a une objection qui vous est faite depuis 20 ans sous des formes diverses. Vous dites, l'inconscient ça parle. Et de ce qui ne parle pas, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous faites des émotions, des affects par exemple? Oui. Dans cette question, vous imitez, enfin vous reprenez les gestes avec lesquels on fait un air de patrimoine dans la Sancta. Parce que
Vous le savez, enfin, au moins à Paris, dans la Sancta, les éléments dont on se sustente proviennent tout de même de mon enseignement. Ils filtrent de partout. C'est un vent. Un vent qui fait bise quand ça souffle trop fort. Alors, on revient aux vieux gestes, à ceux qui réchauffent. On se pelotonne en congrès. Qu'on me réponde seulement sur ce point. Un affect, ça regarde-t-il le corps? Une décharge d'adrénaline, est-ce du corps ou pas? Que ça en dérange les fonctions, c'est vrai. Mais en quoi ça vient-il de l'âme? C'est de la pensée que ça décharge. Alors, ce qui est à peser, c'est si mon idée que l'inconscient est structuré comme un langage permet de vérifier plus sérieusement l'affect que celle qui s'exprime de ce que, en somme, ce soit un remue-ménage dont se produit un meilleur arrangement, car c'est ça qu'on m'oppose. Je n'ai, pour moi, fait que restituer ce que Freud énonce dans un article de 1915 sur le refoulement, et dans d'autres qui y reviennent, c'est que l'affect est déplacé. Comment se jugerait ce déplacement si ce n'est par le sujet que suppose qu'il ne vienne là, pas mieux d'ailleurs, dans Freud, que de la représentation? C'est pas le meilleur de ce qu'il aurait pu dire. Mais ça, je l'explique de sa bande, comme pour lui l'épingler, puisqu'aussi bien, je dois reconnaître que j'ai affaire à toujours la même. Seulement, ai-je démontré par un recours à sa correspondance avec Fliss, de l'édition, la seule qu'on ait de cette correspondance expurgée, que la dite représentation spécialement refoulée, ce n'est rien moins que la structure, et précisément en tant que liée au postulat du signifiant. Vous reportez pour cela à la lettre 52. Ce postulat est dans le texte écrit. L'affect, comme je le considère, c'est une interférence de l'inconscient en tant que lui-même et ce nœud de savoir que j'avance quand je dis est structuré comme un langage. C'est différent de se prosterner devant une palpitation de l'âme. Ce n'est pas pareil. Reconsidérer l'affect à partir de mes dires reconduit en tout cas à ce qui s'en est dit dessus. La simple résection des passions de l'âme, comme c'est le terme de saint Thomas, plus juste que ce mot vague, bien médical. La résection, depuis Platon, de ces passions selon le corps, tête, cœur, voire comme il dit, pour ce qui est plus bas, et curieusement d'ailleurs, épitumia, ce qui semble impliquer surcœur. Cette résection ne témoigne-t-elle pas déjà de ce qu'il faille pour leur abord en passer par le corps?
lequel, je dis, est affecté par la structure. La tristesse, par exemple, on la qualifie dépression, à lui donner l'âme pour support. La tension psychologique, par exemple, du philosophe Pierre Janet. Mais ça n'est pas un état d'âme. C'est simplement une faute morale, comme s'exprime Dante, voire Spinoza, un péché. Ce qui veut dire une lâcheté morale qui ne se situe en dernier sort que de la pensée, soit du devoir de bien dire ou de s'y retrouver dans l'inconscient, dans la structure. D'ailleurs, ce qui s'ensuit, pour peu que cette lâcheté d'être, rejet de l'inconscient, aille à la psychose, c'est ce que je définis, du retour dans le réel de ce qui est rejeté, du langage dans l'occasion, et c'est l'excitation maniaque par quoi ce retour se fait mortel. À l'opposé de la tristesse, ce qu'il y a, c'est le gai savoir, lequel est, lui, une vertu d'ailleurs n'absout personne du péché originel, comme chacun sait. La vertu que je désigne du gai savoir en est l'exemple de manifester en quoi elle consiste, non pas comprendre, piquer dans le sens, mais le raser, d'aussi près qu'il se peut, sans qu'il fasse lu pour cette vertu. Pour cela, jouir du déchiffrage, ce qui implique que le gai savoir n'en fasse au terme que la chute, le retour. Où en tout ça, ce qui fait bonheur, exactement partout, le sujet est heureux. C'est même sa définition, puisqu'il ne peut rien voir qu'à l'heure, à la fortune, autrement dit, et que toute heure lui est bon pour ce qu'il maintient, soit pour qu'il se répète. L'étonnant n'est pas qu'il soit heureux sans soupçonner ce qui l'y réduit, sa dépendance de la structure. L'étonnant, c'est qu'il prenne idée de la béatitude, pas pareil. Qu'il en prenne idée assez loin pour qu'il s'en sente exilé. Heureusement, là, nous avons le poète pour vendre la mèche, Dante, que je viens de citer, et d'autres. Or, ces roulures qui font cagnotte au classicisme, un regard, celui de Béatrice, soit trois fois rien, un battement de paupières et le déchet exquis qui en résulte. Et voilà surgit l'autre. L'autre que nous devons identifier à sa jouissance, à elle. Celle que lui, Dante, ne peut satisfaire, puisque d'elle, il ne peut avoir que ce regard, que cet abject. Mais dont il nous énonce que Dieu la comble, c'est même de sa bouche à elle qu'il nous provoque à en recevoir l'assurance. Paradiso. À quoi répond en nous ennui. Mot dont à faire danser les lettres comme au cinématographe jusqu'à ce qu'elles se replacent sur une ligne.
J'ai recomposé le terme union, dont je désigne l'identification de l'autre à l'un. Je dis l'un mystique, dont l'autre comique, dirais-je, parce que Dante en est un, la preuve. Divine comédie. L'autre comique à faire éminence ailleurs, dans le banquet de Platon, Aristophane, pour le nommer, nous donne l'équivalent cru dans la bête à deux dos dont il impute à Jupiter, qui n'en peut mais, la bisection. Ça, c'est vilain. J'ai dit que ça ne se fait pas. On ne commet pas le père réel dans de telles inconvenances. Reste que Freud y choit aussi, car ce qu'il impute à l'éros en tant qu'il l'oppose à Thanatos, comme principe de la vie, c'est d'unir. Comme si, à part une brève coïtération, on n'avait jamais vu deux corps s'unir. Ainsi, l'affect vient-il à un corps dont le propre serait d'habiter le langage. Je me jette ici de plumes qui se vendent mieux que les miennes, Heidegger pour le nommer. L'affect, dis-je, de ne pas trouver de logement, pas de son goût tout au moins. On appelle ça la morosité, la mauvaise humeur aussi bien. Est-ce un péché, ça, un grain de folie ou une vraie touche du réel? Pose la question. Mais vous voyez que l'affect, ils auraient mieux fait les samkdas pour le moduler, de prendre mon crin-crin. Ça les aurait menés plus loin que le bailler aux corneilles. Je vous propose comme exercice de répondre aux trois questions de Kant. Et d'abord, que puis-je savoir? Alors là, la réponse, c'est simple. C'est ce que je passe mon temps à énoncer. Rien qui n'est la structure du langage, en tout cas. Ça répète Kant. Ça ne le répète justement pas, malgré la référence à la logique, ça ne le répète qu'à ceci près, qu'il y a eu la découverte des faits de l'inconscient. Le sujet de l'inconscient, lui, embraye sur le corps. Faut-il que je revienne sur ce qui se situe véritablement que d'un discours, soit ce dont l'artifice fait tout le concret. Mais c'est un concret, et combien? Quoi de là peut se dire du savoir qui existe pour nous dans l'inconscient, mais qu'un discours seul articule? Quoi peut se dire dont le réel nous vienne par ce discours? Ainsi se traduit votre question dans mon contexte. C'est-à-dire qu'elle peut paraître folle. Est-ce que, oui ou non, vous pouvez enseigner ce que le discours analytique vous apprend sur le rapport des sexes? Peut-on dire, par exemple, que si l'homme veut la femme, il ne l'atteint qu'à échouer dans le champ de la perversion? C'est pourtant ce qui se formule de l'expérience instituée du discours psychanalytique, et si ça se vérifie, est-ce enseignable à tout le monde, c'est-à-dire scientifique? Puisque la science,
c'est comme ça. Elle s'est frayée la voie de partir de ce postulat. Je dis donc pas que c'est vérifié. Je dis que c'est enseignable. Et d'autant plus que... C'est ce que souhaitait Renan pour l'avenir de la science. C'est qu'il soit absolument sans conséquence. C'est merveilleux. Dans ce cas-là, c'est bien le cas, puisque la femme n'existe pas. Ça, je l'ai dit. Mais qu'elle n'existe pas n'exclut pas qu'on en fasse l'objet de son désir, bien au contraire. D'où le résultat. Moyennant quoi, l'homme, hein, lui, il existe, hein, l'homme à se tromper, rencontre une femme avec laquelle, mon Dieu, tout arrive. Soit d'ordinaire, ce ratage en quoi consiste la réussite de l'acte sexuel. Les acteurs en sont capables des plus hauts faits, comme on le sait par le théâtre. Le noble, le tragique, le comique, le bouffon, pointez ça comme vous voudrez, mais ça fait une coupe de Gauss. Hein. Bref, l'éventail de ce que produit la scène d'où ça s'exhibe, celle qui clive de tout lien social. L'éventail se réalise à produire les fantasmes dont les êtres de parole subsistent dans ce qu'ils dénomment, on ne sait trop pourquoi, la vie. Car de la vie, ils n'ont notion que par l'animal, chez qui n'a que faire leur savoir. La femme n'existe pas. L'homme, lui, existe. On ne peut pas dire que ça rende la vie facile, ni que ce soit simple à comprendre. Oui. Je regrette que... en effet, ça paraisse un petit peu compliqué, mais j'y peux rien, C'est pas moi hein, qui ai fait, ni l'homme, ni la femme. Enfin, un autre s'en est chargé, enfin, d'après la légende, n'est-ce pas? Bon. Alors, posons d'abord cet axiome, non que l'homme n'existe pas, ça c'est le cas de la femme, mais qu'une femme ne peut que se l'interdire. Je parle de l'homme, hein. Et ça, pas de ce que ça soit l'autre, parce que l'autre, ses mœurs, nous n'en savons rien, n'est-ce pas? Mais de ce que il n'y a pas de l'autre, il n'y a pas l'autre de l'autre. Ça, c'est ce que je dis, enfin, n'est-ce pas? S'il y avait l'autre de l'autre... Il y aurait une garantie, il y aurait une garantie que ce qu'on dirait, ça serait toujours la vérité. Enfin, parce que l'autre de l'autre réagirait. Bon, il réagit pas. Au niveau de l'autre, ce qu'on dit passe toujours pour la vérité. Mais c'est pas sûr, voilà l'ennui. Alors, l'universel de ce qu'elle désire, n'est-ce pas? C'est ça que je veux dire quand je dis rencontre l'homme que dans la psychose, n'est-ce pas? L'universel de ce qu'elle désire, c'est tout simplement de la folie. Et c'est pour ça que toutes les femmes sont folles, qu'on dit, n'est-ce pas? Mais c'est même pourquoi elles ne sont pas toutes. C'est-à-dire pas folles du tout. Et qu'elles sont plutôt arrangeantes. Elles arrangent. Fortement. C'est même au point qu'il n'y a pas de limite aux concessions que chacune fait pour un homme.
de son corps, de son âme, de ses biens. Simplement, elle en peut, mais, hein, elle en peut, mais pour ses fantasmes dont il est moins facile de répondre. Elle se prête plutôt à la perversion que je tiens pour celle de l'homme. Et c'est ce qui l'a conduit à la mascarade qu'on sait et qui n'est pas du tout le mensonge que des ingrats collés à l'homme lui imputent. C'est l'atout hasard de se préparer pour que le fantasme de l'homme en elle trouve son heure de vérité. C'est pas excessif, hein, puisque la vérité est femme déjà de n'être pas toute à se dire en tout cas. C'est en quoi la vérité se refuse plus souvent qu'à son tour, exigeant de l'acte des airs de sexe qu'il peut tenir. En quoi c'est le ratage, réglé comme papier à musique. Mais laissons ça, travioleuse. C'est bien pour la femme que n'est pas fiable l'axiome célèbre de Monsieur Fenouillard. Et que, passé les bornes, il y a pour elle la limite. Hein? À pas oublier, hein, ça. Par quoi, de l'amour, ce n'est pas le sens qui compte, mais bien le signe, comme ailleurs. C'est même là tout le drame. Et l'on ne dira pas qu'à traduire le discours analytique, hein, je me dérobe en tout cas, moi qui vous parle. Comme ça se fait ailleurs. Que dois-je faire? Oui. Ben là-dessus, sur que dois-je faire, hein, je ne peux que reprendre la question comme tout le monde, à me la poser pour moi. Hein. C'est pas à vous que je réponds. Pour moi, la réponse est simple, c'est ce que je fais. De ma pratique, tirer l'éthique du devoir bien dire, hein, que j'ai déjà accentué. Hein. Prenez-en de la graine pour vous si vous croyez qu'en d'autres discours, hein, celle-ci puisse prospérer. Mais j'en doute, hein, car l'éthique est relative au discours. Ne rabâchons pas. L'idée kantienne de la maxime à mettre à l'épreuve de l'universalité de son application n'est qu'une grimace, hein, dont s'esbigne le réel d'être pris d'un seul côté. Je suis en train de parler du côté homme, hein, de Kant. C'est le pied de nez à répondre du non-rapport à l'autre quand on se contente de le prendre au pied de la lettre. Hein. C'est une éthique de célibataire, pour tout dire. Celle qu'un Monterland plus près de nous a incarnée. Hein, et que mon ami Claude Lévi-Strauss, en structure, si ça lui chante, son discours de réception à l'Académie, puisque, après tout, l'académicien n'a qu'à chatouiller la vérité. Dieu sensible d'ailleurs que, grâce à vos soins, c'est là que j'en suis pour l'instant. L'exercice vous amuse, et je le prouve, puisque vous allez répondre à la troisième question. Que m'est-il permis d'espérer? Bon, ben, celle-là, hein, celle-là, au contraire de la précédente, je l'adopte pas. C'est pas à moi que je me la repose, je vous la renvoie, c'est-à-dire que je l'entends cette fois comme venant de vous, parce que pour ce que j'en fais pour moi, j'y ai déjà répondu. Hein? Un petit peu comme ça avant. Hein? Comment me concernerait-elle sans me dire quoi espérer? Hein? Pensez-vous l'espérance
ça arrive, comme sans objet. Vous donc, comme à tout autre à qui je donnerais du vous, et d'ailleurs c'est à ce vous que je réponds, espérez ce qui vous plaira. Sachez seulement que j'ai vu plusieurs fois l'espérance qu'on appelle les lendemains qui chantent. Mener des gens que j'estimais autant que je vous estime au suicide. Tout simplement, oui. Pourquoi pas, hein? Le suicide est le seul acte qui puisse réussir sans passer par le ratage. Si personne n'en sait rien de ce que là j'avance, mon expérience, c'est qu'il procède, cet acte, du parti pris ne rien savoir. Là encore mon terlan, là, oui, alors qu'on y pense, oui. Sans Claude Lévi-Strauss, je n'y penserai probablement pas. Pour que la question de Kant ait un sens, je la transformerai en d'où vous espérez. C'est d'où qui est important. En quoi vous voudriez savoir ce que le discours analytique peut vous promettre, puisque pour moi, c'est tout cuit. La psychanalyse, pardonnez-moi, vous permettrait d'espérer assurément de tirer au clair l'inconscient dont vous êtes sujet. Mais chacun sait que je n'y encourage personne. Personne dont le désir ne soit pas décidé. Bien plus. Excusez-moi de parler des vous de mauvaise compagnie. Je pense qu'il faut refuser le discours analytique aux canailles. C'est sûrement là ce que Freud déguisait d'un prétendu critérium de culture. Il faut dire que les critères d'éthique ne sont malheureusement pas plus certains. Quoi qu'il en soit, c'est d'autres discours qui se jugent avant l'entrée dans l'analytique. Et si j'ose articuler que l'analyse doit se refuser aux canailles, c'est que les canailles, ça les rend bêtes. C'est certes une amélioration, hein, mais sans espoir. Pour reprendre votre terme. Si académie il y a, titillez donc voir cette vérité de Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Votre style, etc. Ouais. Alors, si je vous réponds du tac au tac, je vous dis quoi, hein? Il y suffit de 10 ans pour que ce que j'ai écrit non seulement devienne clair pour tous, mais qu'on vienne me dire comme ça, qu'on l'a prise pour guide. J'ai vu ça pour ma thèse, ou pourtant, peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore réédité, ou pourtant mon style n'était pas encore cristallin. C'est un fait d'expérience, hein. Néanmoins, pour la suite, ça serait vous renvoyer au calende. Alors, je vous réponds, hein? Je rétablis que ce qui s'énonce bien, l'on, cher on, l'on le conçoit clairement. Ce clairement dit assez ce que ça veut dire, que ça fait son chemin dans l'eau.
C'en est même désespérant, hein, cette promesse de succès pour la rigueur d'une éthique. De succès de vente, tout au moins. Ça nous ferait sentir le prix de la névrose. Par quoi se maintient ce que Freud nous rappelle? Que ce n'est pas le mal, mais le bien qui engendre, qui nourrit la culpabilité. Ça casse la tête, hein, tout ça. Hein. Impossible de se retrouver là-dedans sans un soupçon, au moins, de ce que veut dire la castration. Et comme ça, parenthèse, enfin, ça pourrait peut-être nous éclairer, enfin, sur l'histoire que Boileau, là-dessus, laissait courir, hein, clairement, pour qu'on s'y trompe. Je veux dire qu'on y croit, hein, cette histoire de Jargue qui lui était arrivée là, dans son enfance, soi-disant. Le Médi, M-E-D-T, hein, installé dans son ocre réputé. Il n'est pas de degré du médiocre au pire. Ça, c'est de Boileau. Hein? Alors, ce Médi, n'est-ce pas, que je viens de remettre en place, tout de même, j'ai peine à l'attribuer à l'auteur du vers, enfin, celui que je viens de citer, du vers qui humorise si bien ce mot. C'est peut-être facile, ma rectification. C'est peut-être même lourdeau, hein. Et si ce qui se révélait là, c'est simplement ce que ça est, ce que l'on conçoit bien, etc. Un mot d'esprit qui personne ne voit que du feu. Ne savons-nous pas que le mot d'esprit est lapsus calculé? Celui qui gagne à la main l'inconscient, c'est celui dans Freud, hein, ça, sur le mot d'esprit. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? L'interprétation doit être preste pour satisfaire à l'entreprès de ce qui perdure de perte pure à ce qui ne parie que du père au pire.